Continue la halakhot Shabbat. Donc là, c'est la halakhot de presser. C'est des fois dans le citron, dans le cornichon, dans le piment. C'est les chifkés. Tu connais chifkés ou pas? Ah oui. Ah, chifkés. Les chifkés, c'est des sortes de petits piments verts. Ouais. Voilà. Où il y a mamash. C'est du vinaigre comme ça, je pense que c'est ton truc. Non, c'est pas du vinaigre. Ouais, l'eau salée, je pense. Ouais, peut-être vinaigre, je suis pas sûr. Et donc, des fois, bon, quand tu te le manges avec la poche de jus dedans, c'est assez violent. Ouais. C'est-à-dire, on aime bien d'enlever le jus comme ça. Alors, est-ce qu'on a le droit à Shabbat? De faire. C'est pas d'âge. Nahon. Boré. C'est prier. Ouais, c'est bon. Oui, mais quand tu es dans la bouche, c'est avant. Razak. Alors, il est écrit comme ça. Il est permis de presser un aliment cuit ou mariné qui contient un surplus de jus ou de sauce si c'est uniquement pour en améliorer le goût et le consommer durant Shabbat. Dans ce cas, on peut même profiter ensuite du jus qui s'est écoulé. Comment ? Quoi ? C'est-à-dire, ça exclut le dimanche ? Quoi, Miad? Pourquoi ça m'a reçu aux dents? Pas. C'est quoi la chanson du Choupanaro, vous direz? Comment il dit le Choupanaro? Dans Shinkaf. Alors. Disrod Kvasim. פירות מיני ירקות המונחים בחומץ במלח כדי שלא יירגבו ושלקות עם לגופן ואין צר למים ואין הסרטן אינה נתקנן אפילו אפילו שוחק לתוך קערם שאין בה אוכל מותר même je presse le jus qui est dans le petit piment là dans un verre, c'est moutard parce que je le fais pour améliorer le goût de l'aliment. C'est-à-dire, je me débarrasse du jus. Je suis métaken, j'améliore le goût de l'aliment, c'est pour pouvoir mieux le manger. Veim tser les mêmes, mais si maintenant c'est pour récupérer le jus, ouais. Je récupère le jus, j'ai envie un peu d'un truc piquant comme ça. Ouais. Alors là, il faut le mettre directement dans la nourriture. C'est pas d'oraïta, hein. ואת המותר לשחות לתוך גדרה שיש בה אוכל, אבל אם אין בה, זה חידוש, אם אין בה אוכל, אסור. אלא רך, כרמון, לא יודעת שאת שוקי ז'ניין, דוק, את חושבת שבאת הקשור שפורת הקשה, ולרך לרבינו חננאל, כל שהוא צריך לממם, זה פרון, זה אקסטרי לג'ו דה ספימון, את סקורנישון, חייב חטאת, אפילו סחת לגדרה שיש בה אוכל. Un truc de fou. Pour lui, c'est assuré, de toute façon, je ne me rappelle plus comment il explique la Gemara, ouais, mais pour lui, c'est assuré même de presser un raisin dans la nourriture.
Pour la Bougrenal, je ne sais pas comment expliquer à Gmara, mais lui, il interdit tout. Hein? Dash. Il n'y a pas pour lui le éther de Betor Ochel. Mais bien sûr, Julien, tu as raison, c'est une très bonne question. Inéharar bechned varim palig aldea rishona, des svirele, des im tsarir. C'est quoi cette tête d'ahuri, David? Ouais. Tu vas sortir. Pas de menace. Non, il est bloqué. S'il se met là, c'est qu'il ne bouge plus. Donc déjà il dit que c'est chayav, premier qui touche de rare, deuxièmement même les torah ochel c'est assour. Kol aposkim pligal ze. N'explique pas, Mishnah Moura, pourquoi c'est assourd de presser le jus des cornichons. D'après le Rabbi Nochananel, Doraïta. N'explique pas. Il dit, va voir dans le Rif, il explique. En tout cas, la Khalema, c'est. Ouais. Ça, c'était le Shulchan Aruch, qui a rapporté le Rar. Ouais, mais on n'est pas possédé comme le Rar. Alors, Halema, c'est, on a le droit, dès qu'il y a trop de jus dans le cornichon, il y a trop de jus dans le chifke, on a le droit d'appuyer pour extraire cette eau salée, ce vinaigre. Quoi? Je suis parle d'élection. Comment? Non, c'est pas bourrère ça. Il n'y a pas de tarovette. C'est un chidouche, hein. C'est permis d'enlever les légumes du bouillon. Alors, c'est quoi ta question? Comment? Non. Dans l'eau, il n'y a pas boré. Tu ne te rappelles pas de. Tu prends des boulettes de la soupe, ouais. Gnadelech? Pas boré. Pentarovet. Tu veux compliquer tout? Et aussi avec un chalumeau, tu veux le prendre aussi et te sécher les cheveux en même temps et cuire des saucisses aussi? Tu veux chercher un cas qui est interdit? Je n'ai pas compris. Là, on est en train de parler maintenant d'extraire de l'eau, ouais, d'un cornichon. Maintenant, tu veux me faire les 39 malachot au passage rapidement? Non, mais tu peux me raconter aussi Baruch HaMapil, mais ce n'est pas le moment. Ouais. On n'est pas dans Borer, là. On est tout simplement en train de finir Dash. Et dans le cornichon, il y a extraire le jus. Par contre, si l'intention justement d'en récupérer le jus, ce sera interdit. À cause de Srita, Julien, sauf si on le presse au-dessus d'un aliment solide, comme nous l'avons expliqué précédemment. T'as compris ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, Nathan? L'intention? L'acte, pourquoi l'intention? Pourquoi l'intention? C'est plutôt l'acte ici. Ouais. Ouais. Ouais, bon, c'est sûr. Ouais. Aussi, quoi. C'est-à-dire, tout change tout, Nathan.
Et là, quelle intention? Ça s'appelle des halakhot, hein? Il y a là, quelle intention? Il y a différents cas, quoi. Je n'ai pas compris ce qui t'a choqué. Parce que un, tu veux le jus, un, tu veux manger le. Un, tu te débarrasses du jus, l'autre, tu récupères le jus. Donc, c'est vrai que l'actil est le même, mais ça joue au niveau de Shabbat, de savoir ce que toi, tu veux faire. Comme dans Psychréché, dans l'Omid Kaven, dans toutes ces choses, ça joue, quoi. Ce n'est pas un redouche qu'on voit exclusivement ici, tu comprends? Nous déduisons de ce qui précède qui est autorisé de presser un cornichon imprégné de vinaigre afin qu'il soit plus agréable à consommer, mais pas si l'intention est d'en récupérer le liquide. C'est le cas également d'un morceau de poisson cuit dont on souhaite extraire la sauce pour qu'il soit plus facile à servir et ensuite à manger. Du poisson, il y a plein de sauces dans le poisson. Des fois, ce n'est pas bon la sauce dans le poisson. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien la sauce dans le poisson. Il y a un poisson qui a trop de sauce, alors on enlève la sauce. Vous connaissez ce poisson? Cependant, ah, regarde, Julien, il parle de toi, rien. Puisqu'on trie ainsi le vinaigre, non désiré, du cornichon, de la sauce, du poisson, on ne pourra exercer de pression sur ça que juste avant leur consommation. Il dit donc c'est Borère. Il dit qu'il y a donc un problème de Borère, lui. Il dit. Alors, il dit, la Med Aleph fournirait. Ce chronor ne précise pas cela, c'est intéressant. Il est où? D'où Mishtamro qui parle de ça? Non, il a ta... non, c'était bien avant rien. C'est fret. Non, il n'y a pas. Sochet, dag. Les tiro dirait qu'il est sochet, vassim, mais je la copie lui-même. Il ne parle pas de Borère, le chronor smarnien. D'où ça sort ce truc? C'est bizarre. C'est bizarre. Parce que là, il rapporte au nom du Kitsour, c'est quoi? Au nom du Sot HaShabbat et du Shmirat Shabbat Keret. Mais le Mishnah Berurah, il ne précise pas qu'il y a un problème de Borère, c'est Daniel. Alors, répétons ce qu'il a dit. Cependant, lorsqu'on trie ainsi vinaigre du cornichon ou de la sauce du poisson, on pourra exercer de pression sur ça que juste avant leur consommation. Il parle de quel cas? Que je veux la sauce ou que je veux le... C'est pas clair. Puisqu'on trie ainsi le vinaigre, du cornichon ou la sauce, dans le cas où je veux récupérer la sauce ou je veux récupérer, ou je veux améliorer le poisson. Non, on n'en peut pas. On n'en peut pas. Non désiré, donc extraire. Non. Le poisson et le cornichon. Il y a deux cas ici. Non, mais le cas où le truc, c'est déjà interdit par ce métal. C'est la même chose. Le cas où on extrait le jus pour le jus. Non, pas pour le jus. Il y a deux cas. Il y a j'extrais le jus pour mettre dans la salade. Ça, c'est permis. Voilà, et extraire le jus parce qu'il me dérange en cornichon. Ça aussi, c'est permis. Dans les deux, il y a Borère. Dans les deux, je vais manger la salade tout de suite ou je vais manger le cornichon tout de suite. Ben, je ne sais pas. Mais c'est dans le cas où le poisson. Hein? Et donc, alors, le poisson, le cas, l'autre cas, c'est ce qui est classique. On n'a jamais parlé de Borère. Ah, parce que si maintenant c'est Borère, pourquoi on ne dirait pas que je prends le mauvais du bon quand j'appuie, moi? Donc, je n'ai pas tellement fait avancer le public. Si maintenant j'enlève le vinaigre parce qu'il me dérange. Ouais, c'est vrai. Ah, alors, il dit, mais il faut manger tout de suite. Ouais, c'est ça. Ça ne change rien puisque j'enlève le mauvais du bon. Même tout de suite, c'est interdit d'enlever le mauvais du bon. C'est imprégné, les cornichons sont plutôt imprégnés de vinaigre. Il y a toujours plein de liquide dedans. Ouais. Donc c'est, on le fait pour mieux manger. Ouais. C'est pas quoi? Pour récupérer le vinaigre. C'est pas pour récupérer. On peut pas le manger comme ça. Et c'est pas ça la question tellement ici.
Il parle de Borer. J'essaie de comprendre. C'est où Borer? Je comprends ton problème technique, mais là, on parle d'un autre problème de Borer. Tu as répondu à mon problème de Borer, Léon? Alors, il dit, il ne va pas en parler ici, il va en parler dans Borer. C'est le genre de choses que j'aime faire. Ouais. C'est quand tu fais une pression, alors quand tu exerces une pression dessus. Pourquoi c'est Borer? Parce que là, tu fais vraiment, tu veux vraiment les séparer. Mais par contre, si je prends le cornichon, je laisse tout seul écouter l'eau au-dessus du... Reste dans le cas, Léon. Il faut rester dans le cas qu'on est en train de parler. Tu changes de cas, ouais. Non. Je suis en train maintenant d'appuyer le cornichon, ouais, pour enlever... Enlever le vinaigre. Le cornichon, c'est pas... Appuyant sur le cornichon. Mais c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est ça le sujet. Fais attention parce qu'il y a un problème de Borer. Alors, j'ai ici un problème de Borer, j'enlève le mauvais du bon. Donc j'ai rien gagné. C'est comme quand on épluche une banane, comme ça. C'est comme ça que je préfère le manger. C'est comme ça qu'il se mange pour vous. Tu dis c'est derrière Achila, Razak. Je vois ce qu'il en parle dans le chapitre 11. Au nom du tri. Mais le problème, c'est que chapitre 11, il fait 100 pages. Bon, faut que j'envoie l'histoire. Non, moi, je n'ai pas de moteur de recherche. Ah, tu crois qu'il y a un moteur de recherche sur le PDF? Je vais voir, je ne suis pas sûr. Hein. Je vais voir, on va faire l'expérience. Next. Non. J'ai fait un scanner, il n'est pas, c'est pas un scan OCR, c'est un scan de photo, il n'a pas de. Il n'a pas de cornichon. Il n'a pas trouvé le cornichon. Bon, mais revenons à notre sujet. Il faut que j'approfondisse ce sujet, ouais. J'ai jamais vu qu'on a cornichon. Tais-toi. Cependant, puisqu'on trie ainsi le vinaigre du cornichon ou la sauce du poisson, on ne pourra exercer de pression sur ces aliments que juste avant leur consommation. Ainsi, on évitera le borer, comme sera expliqué plus loin, chapitre 11, relative à la mélacha de trier. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans la note? Il dit « Yesh la sotken samour les soda ked eliminam isur borer » She'im rov ne'adam ve'gam mu'atzmo regilim le'ochlo kemot she'u ima chometz » Nire des charrets. Ah, c'est ça. Pour le Shabbat Kechala, il n'y a pas de problème de borer. Dans la note en bas, il dit, si les gens ils ont l'habitude de manger le cornichon avec le vinaigre, ouais, c'est l'habitude. Si maintenant, il y a un cornichon, il y a plein de vinaigre, tout le monde enlève le vinaigre. Tout le monde. Ce n'est pas mangeable comme ça, c'est une poche à manger. Mais si c'est l'habitude, mais toi, tu préfères enlever le vinaigre. Ouais. Alors, il dit, im rov mne adam. Même lui aussi, il a l'habitude de manger tel quel avec le vinaigre. Nire des charrets, aflacharzman, d'avec kismin amouravim beyen, chemoutar lesanenam. Il y a un sujet, on va voir dans Messanenet, il y a un lien d'être messanen le vin, de filtrer le vin. Est-ce que c'est borer? Si maintenant il y a des choses qu'on laisse dans le vin et que moi je veux enlever, ce n'est pas borer. C'est l'habitude de laisser ça dans le vin. C'est du pinouk. On ne voit ça pas comme une. On ne voit pas ça comme étant une psolette, comme étant un élément mauvais, si c'est l'habitude de laisser dans le vin. Alors, pareil aussi, il n'y a pas borer dans ce cas-là. Mais bon, c'est-à-dire, moi, ce qui m'étonne dans tout ce sujet-là, il rapporte qu'un possèque, le psot à Shukran, mais je ne parle pas de borer. Quand il parle de Salaha, il n'a pas dit fais ça, Samour Lahila. C'est un peu étonnant, quoi. Café. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Tu veux changer? À quelle heure tu veux changer? Ah, il y a le choix, il y a le choix. Ouais. Putain, Moura, il ne précise pas ce paramètre-là, donc je suis assez étonné. Je crois que j'approfondis le sujet. Alors, ainsi,
On peut ainsi exprimer l'eau des légumes bouillis. Alors, c'est quoi le cas que tu voulais nous dire, Léon, avant que tu changes de cours? Ouais, c'est quoi le cas que tu voulais nous dire? Moi, c'est ce que je pensais, comme peut-être je voulais l'expliquer. Qu'est-ce que j'expliquais? On sort le cornichon, on le laisse égaux tout le monde, c'est ça? C'est pas ça le sujet. Il y a un cornichon tout seul dans une assiette. Tout seul dans une assiette. Il est tout seul. Il n'y a pas de fourmis, pas de guêpes, pas de belle-mère. Il est tout seul, le cornichon. Et je prends le cornichon et paf, j'enlève le vinaigre. C'est ça le cas. Ce n'est pas d'enlever un cornichon de sa boîte. Ce n'est pas ça le cas. Il est tout seul, le cornichon. Est-ce que je peux presser pour enlever le vinaigre? C'est ça le cas. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas ça qu'on est en train de traiter. On est en train de traiter d'extraire le vinaigre du cornichon. Ouais, que d'après le Shulchan Aruch Mishnah Brura, on ne nous parle pas d'un paramètre de Borer, c'est juste que ça, Srita ou pas. Dans quel cas c'est Srita? Quand je veux récupérer du vinaigre, ah, j'ai plus de vinaigre, j'ai fini ma bouteille de vinaigre, j'ai pressé quelques cornichons dans un verre, et avec le vinaigre que j'ai récupéré, je vais faire une salade. Ça, c'est un saut. Pour récupérer le vinaigre, si je presse directement en salade, c'est permis. Mais de récupérer le vinaigre à part, c'est un saut. D'accord? D'enlever le vinaigre du cornichon pour améliorer le goût du cornichon. Ouais. Donc là, je n'ai aucune intention de récupérer le vinaigre. Alors là, c'est permis. Sur ça, le Rav Meloul ajoute un autre paramètre, il faut faire attention à Borer. Ça, je suis étonné, parce que dans le Mishnah Brura, on n'en parle pas. Donc, il faut que j'approfondisse un peu plus ce sujet. On peut ainsi exprimer l'eau. C'est quoi exprimer l'eau, David? C'est extraire. Exprimer l'eau de légumes bouillis. Lorsque l'intention n'est pas d'enrequir le bouillon, bah, toujours la même chose. Tu as des courgettes avec plein de jus, ouais. Elles sont un peu creuses. Tu appuies pour extraire le jus. Ouais. Si c'est pour améliorer le goût, alors c'est permis. Presser un aliment imbibé comme des aubergines frites ou des pâtes cuites sans aucune intention de récupérer l'huile, c'est également permis à condition de le faire juste avant le repas. À chaque fois, il n'y a pas de mécor sur ça. Ça m'en fout, 43. Il rapporte le éther. Bon. Il est permis d'utiliser pour cela un papier absorbant déjà découpé depuis la veille de Shabbat. Et un citron mariné. Tu as déjà mangé un citron mariné ou pas? Voilà, on va dire. Ouais. Et je maintenant. Enlever la saumure parce qu'il y a trop de jus dedans, pareil. Si c'est pour améliorer. Ouais. Je pense que bon, on va s'arrêter là. Il faut que je regarde un peu les autres, etc., voir ce qui se passe. Pourquoi il y aurait Borer? Pourquoi il n'y aurait pas Borer? Quand j'étais jeune, j'avais étudié ce sujet. Je ne me rappelle plus des conclusions. C'est Baruch, c'est Srita. C'est Baruch, c'est Srita, des Rabbanan. C'est Baruch. Des Rabbanan, c'est Baruch. C'est Baruch, c'est Srita. Je ne vois pas comment on peut ne pas interdire Mishum Srita. C'est-à-dire, tu viens maintenant prendre du. Tu presses un citron pour récupérer le jus. Ouais. D'accord, c'est interdit, Nagin. Ouais, ou une orange, etc. Et là, maintenant, tu prends un cornichon pour récupérer le vinaigre, c'est permis. Ah putain, Baruch, on fait une barrière sur ça. Baruch, la faute, elle n'est pas loin. Le mec, il manque de vinaigre. Il presse son cornichon, ouais. Doraïta, je ne comprends pas que ce soit Doraïta, ouais. Je ne comprends pas le rare. Mais tous les réchutes qui c'est des rabananes, je comprends que c'est la même peu là. J'appuie sur un citron pour récupérer le vinaigre. Ou j'appuie une orange pour récupérer le jus. C'est tellement proche, ouais, que je comprends que. Je prends une olive pour récupérer l'huile, ouais. Ou un cornichon pour récupérer le vinaigre. Alors, celui qui n'est pas un philosophe de Shabbat, il dit non, mais là, c'était à l'origine. Là, c'est venu par la suite. Le méchané, la peula, elle est la même. Quoi? On ne parle pas du guédère, on parle d'oraïta, je ne comprends pas. Ouais. Mais des rabbins, je comprends très bien qu'il y a une barrière. On a des barrières beaucoup plus, comment dirais-je, compliquées à comprendre. Là, c'est maman, c'est la même peula. Un juif, tu vois, il va dire, ah, ben, tu presses pour récupérer. Là, tu ne me permets pas de récupérer l'huile, là, le vinaigre. Alors, ah, si tu permets le vinaigre, tu permets l'huile, hein. On va encore mettre une barrière. Ouais. Personne ne permet sur ça. Et de Marloët, c'est Doraïta ou des Rabbanan, ouais. Comment on comprend Doraïta? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Hein? C'est compliqué, c'est-à-dire.
Allez, les amis, il faut que je vous approfondisse ce sujet-là. En attendant, on reprend notre sujet de vous endort.